where she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. When I see her. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous allez liker cette vidéo, bien sûr, parce que c'est important pour moi de liker. Vous allez me dire, je fais un discours de 15 minutes. Oui, oui, j'aime bien faire des discours, mais c'est important de liker parce que là, cette vidéo, quand même, aujourd'hui, là où je vous parle, on est dimanche et la vidéo va être publiée un lundi. Donc voilà, le lundi de demain, en fait. Et puis voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Que ce serait bien de liker cette vidéo, de partager cette vidéo si c'est possible. Éventuellement, j'aimerais au moins 50 likes dans cette vidéo. C'est très important de vous dire mes intentions, parce que si j'ai 50 likes le plus rapidement, je pense que ça me motivera de faire une autre vidéo tacos avec une personne. Puisque aujourd'hui, cette vidéo était prévue que je devais faire cette vidéo avec une personne, ça n'a la vidéo que je voulais n'a pas pu être faite, mais c'est pas grave. Donc, du coup, je fais quand même ma vidéo que je publie le lundi, aujourd'hui même que vous regardez la vidéo. Donc, je veux quand même dire que, quand même, là, c'est une vidéo 2022. J'ai quand même mis du temps pour la faire, cette vidéo, excusez-moi. Voilà, blablabla, j'ai parlé. Vous avez augmenté la vidéo, vous avez avancé la vidéo. Bon, on va direct au sujet, les amis. Bon, on se retrouve sur une vidéo de tacos. Mais pas n'importe quel tacos, là, parce que là, je vous discute, mais pas n'importe quel tacos, là, là, on vient dans le tacos, la puissance, mais là, c'est, non, mais là, c'est, non, mais quand même, là, je suis allé fort, hein, je suis allé très, très fort, parce que là, là où je vous parle, le poids, là, que vous voyez le tacos, là, que vous voyez, le poids, il est lourd, je pense que ça doit faire un kilo, presque, je sais pas, un kilo, je crois que là, si je mange tout ça, je bats mon record. Mon record, je le bats. Regardez, c'est le tacos, le giga tacos. Hein, c'est le giga tacos, c'est le plus grand tacos que j'ai réussi à trouver. Enfin, un tacos qui fait le plus gros tacos que je voulais manger il y a longtemps. Donc voilà, c'est pas Ah, je parle trop, j'ai fait tomber la serviette. C'est pas le tacos que vous m'avez vu que je faisais un tacos dans mon foyer, qui était tout petit foyer de 15 mètres carrés, bien sûr. Et là, nous sommes dans un appart grand, là, il y a l'espace pour bien se préparer, pour bien faire comme ça, bien faire les étirements, parce que c'est important, parce que quand on va manger quelque chose de souffrant, il faut quand même dire que, bon, je vais peut-être pas le finir, oui, certes, je vais peut-être le finir demain, lundi, quand la vidéo sera en train de publier à cette heure-ci que vous allez regarder la vidéo, moi, je suis en train de le terminer. Puisque là, voilà, j'ai à vous dire que je suis en train de terminer ce lundi-là. Quand vous allez regarder cette vidéo, eh ben, je suis en train de terminer le tacos là que je commence. Parce que ça, c'est sûr et certain, je ne vais pas réussir à le terminer. En moins que mon ventre, quand même, j'ai quand même un ventre très léger. Bon, alors, ce tacos que vous avez vu, c'est un tacos giga. C'est vraiment, regardez, il fait toute ma tête. Hein, il a été bien emballé quand même. Hein, regardez, bien comme il faut. Il est emballé comme il faut. Regardez bien, je vous laisse regarder. L'emballement est bien comme il faut. Bon, on voit pas très bien, mais il y a des agrafes pour pas que le tacos tombe. Et voilà quoi. Bon, on va commencer la dégustation. Et puis, avant de commencer la vidéo et la dégustation, je vous montre les boissons que j'ai pris. Voilà, j'ai pris saveur mangue de bonne qualité, puisque la mangue, c'est la puissance. Comme vous voyez bien, regardez, la mangue. Je vais peut-être pas partir pour que le flou sorte. Voilà. Voilà, comme vous avez vu, c'est une boisson mangue de bonne qualité. Bien sûr, il y a toujours la qualité là où ça se passe, là où je mange. Il y a toujours une qualité quelque part. Donc, j'ai voulu consommer cette boisson. Ça met un peu de mangue dans le cerveau et dans l'estomac. Et ça met la puissance pour réussir à terminer ce tacos de qualité, bien sûr. Et puis aussi, je me suis dit, vu que la mangue, c'est pas suffisant, on va aussi finir... pour tasser bien le tacos, et un petit coca chéri que vous connaissez bien, vous connaissez bien vous-même le coca chéri. C'est le coca que tout le monde connaît bien, le petit coca chéri de qualité, quoi, évidemment, quoi. Voilà, je voulais vous montrer exceptionnellement. Je suis tellement perturbé parce que je sais pas si je vais finir là où je vous parle. C'est parti! Bon, je vais déchirer, je vais emballer la bête. C'est vrai que c'est pas le petit James tacos que j'avais fait là. Vous vous rappelez la vidéo au foyer là, que je faisais le petit James tacos comme ça.
Là, c'est même pas le petit James Tacos là. Là, c'est pas le James Tacos, hein. C'est pas un bébé là. Et encore, je dirais oui, c'est un bébé parce qu'il est beaucoup plus lourd que le premier tacos que j'avais pris qui était très long, qui était costaud. Bon, j'aime bien parler pour faire durer le suspense. Je sais qu'il y en a, ils vont avancer la vidéo. Donc, on va ouvrir la bête parce que c'est une bête de qualité. Bien sûr, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est une bête de qualité. Donc, voilà, je vais arrêter de parler et je veux commencer à attaquer la bête qui se présente face à moi. Et je ne sais pas si je veux le finir. Je pense que au niveau finir les tacos, ces trucs comme ça, je suis zéro. Zéro. Moi, il ne faut pas compter sur moi. Donc, normalement, ça se mange à deux, pas à une personne. Donc, voilà. Quand je le vois, je me dis, qu'est-ce que je fais? Pour qui m'a... N'importe quoi. Qui m'a envoyé à manger ça? C'est trop gros. Moi-même, je vois avec mes yeux, moi. Je vois que ça me dépasse. Si mes yeux, là, que vous voyez là, mes yeux, ça dépasse, c'est que ça ne va pas rentrer. Moi, même moi, je suis... Pourtant, je suis grand, hein, quand même. Par rapport au taco, je suis grand, mais il me dépasse déjà. Je sais très bien que je n'arriverai pas à le finir. Mon estomac, c'est un petit rond comme ça, mon estomac. Donc, ça va l'agrandir, mon estomac. C'est tout ce qui va se passer. Ah ouais. Ouh. Non, rien que le regarder, je suis fatigué déjà. J'ai l'impression qu'avec les yeux, je l'ai mangé. Regardez la bête. Ah ouais. Comment je vais faire? Qui a une astuce comment finir un tacos comme celui-là? Regardez. Il est vraiment gros. Regardez, il prend tout l'écran. Regardez. Tout l'écran. Regardez. Je mets comme ça. Et moi, je suis sur le côté. Regarde. Tu peux... Ah ouais, il faut faire la miniature. Ah ouais, 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 ouais. On va faire la miniature comme ça dans l'écran. Non, je regarde. J'ai fait la miniature vite fait, puisque là, c'est quand même le tacos qui me dépasse. Peut-être une autre miniature, ça? Voilà, j'ai fait la miniature. Ah ouais, c'est lourd, hein? Dire que les gens, ils mangent ça, c'est lourd, hein, quand même. Non, mais c'est trop lourd. Je sais pas si je vais finir. Faut que je... Attendez, on va couper la vidéo. Il faut que j'aille chercher un couteau, parce que là... Moi-même, je sais pas si je vais terminer. Faut que je prenne une assiette et tout. Attendez, je reviens. Ah ouais, les amis. Ah ouais. Là, je suis allé chercher une assiette, là. Mais là, je me rends compte que même l'assiette, elle est dépassée. Regardez. L'assiette, même, ça dépasse. Ça dépasse. C'est trop. Non, c'est trop. Ça a dépassé mon assiette. Ça a dépassé mon assiette, les amis. Non, c'est trop. Non, mais là, là, regardez. Même mon assiette, elle est dépassée, mon assiette. C'est... Non, je peux pas. Faut que j'arrête de faire les discours. Moi, j'aime trop faire les discours. J'ai voulu m'engager à faire la vidéo aujourd'hui. Mais j'assume, c'est tout. Qu'est-ce que je discute n'importe quoi, moi. J'assume, maintenant, il faut y arriver. Bon, c'est parti, les amis. Nous allons commencer la vidéo de tacos. On va déguster ça. Modération, on va bien modérer ça. Pour commencer, on va boire un peu de mangue. On va boire un peu de la mangue puisque pour préparer le ventre, puisque là ça va être chaud, hein, quand même. Là, c'est un combat. Non, je vais me battre avec le tacos là. Je vais mettre des coups là au tacos. Allez, c'est parti, les amis. Et à noter, les amis, c'est un tacos là que j'ai testé et il est juste dans Lyon 7. C'est le tacos de Gerland. Dans une petite rue, avec là il y a des dodanes, ceux qui connaissent un peu les gens, et pas à côté du tacos, il y a un petit dodane. J'essaierai de vous mettre l'adresse si je peux. Pour ceux qui sont intéressés, par commentaire, je vous mettrai l'adresse. S'il y en a qui sont intéressés pour savoir à Lyon, à Gerland, ou quel coin là où est ce tacos, parce que c'est un tacos qui est bien, il est pas mal, il est super bien. Bon, allez, c'est parti. Je vais consommer ça pour préparer le ventre. Ah, on sent bien le goût de la mangue, hein, franchement. Nickel. Ça, c'est la qualité. Bon, allez, c'est parti, les amis. Bon, je sais pas si je vais manger avec les fourchettes, les couteaux, puisque là, c'est quand même dur. Là, je suis allé loin, là. Là, je sais pas si je vais réussir. Bon, allez,
Je suis un combattant. Excusez-moi si j'ai mis le maillot du Brésil, hein, c'est parce que j'avais envie de mettre le maillot du Brésil. Ça discute pas, hein. Donc commencez pas à dire que pourquoi il a mis le maillot du Brésil, je sais pas quoi. Bon, c'est parti. Je vais manger comme ça parce que c'est quand même c'est lourd pour moi, c'est trop lourd. Donc je préfère manger avec un couteau et une fourchette. Et puis voilà quoi. Bon alors les composants les amis, je vous dis les composants. Dedans il y a la sauce algérienne évidemment, moi j'aime bien la sauce algérienne. Vous avez aussi merguez et cordon bleu. Voilà, merguez et cordon bleu, je ne sais pas si vous le voyez bien, vite fait comme ça. Voilà. Je pense que vous voyez bien là comme ça. Vous voyez, il y a la sauce algérienne, la merguez et le cordon bleu, on ne voit pas très bien. Voilà, bon, quant à moi, je vais commencer à manger. Je crois que la vidéo va durer, parce que là, c'est très très dur. Hein. Excusez-moi hein, si la vidéo est dure, parce que là, c'est dur, moi-même, je souffre. Voilà. Mais bon, j'ai à vous dire que je ne vais pas finir la vidéo, puisque je ne vais pas finir mon tacos. Je vais le finir le lendemain, actuellement, là que vous regardez la vidéo, je serai en train de le terminer, on sera lundi. Donc, voilà. Je vais faire ce montage demain, parce que là, je suis fatigué, je vais dormir. Déjà, ce tacos va me prendre 80% de mon énergie, donc je pense que je vais aller dormir tout de suite après. Non, ça faisait longtemps que j'avais pu manger tacos, ça me fait bizarre. Il y a ce goût là. Non, c'est bon en fait, hein. Pourquoi je mange pas tout le temps ça? Ah, c'est vrai que c'est pas mon style de manger toujours des tacos. Moi j'aime bien, je suis un cuisinier donc j'aime bien me faire à manger un petit plat original avec du riz, etc. et tout. Mais c'est vrai que les tacos, de pas manger un taco, ça fait du bien, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est vrai que là, j'ai mis épicé et ça chauffe quand même. Hein. J'ai osé dire épicé, la personne. Puis c'est la jeune femme qui m'a servi comme il faut. Elle m'a servi, mais bien le fond. En plus, elle m'a servi bien comme il faut. Je sais pas si c'est elle qui l'a fait, mais en tout cas, il est comme il faut. Voilà, c'est... C'est au tacos, hein. Je vais vous montrer un peu vite fait. C'est au tacos, vers Gerland, c'est une hache, pour ceux qui voient un peu. Je ne sais pas si c'est marqué. Voilà. C'est le... Ça, c'était pour là où il y avait les boissons. Voilà, je ne sais pas s'il y a la marque et tout. C'est à Gerland, hein. Franchement, c'est à Gerland. Il est pas mal, hein, franchement. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose qui vous fait rappeler, pour ceux qui... les Lyonnais qui connaissent là aussi. Voilà. Ce genre de... Bon, après, ils m'ont passé un carton. Ils m'ont passé un sac qui est... Bon, voilà. Il n'y a rien dans le sac. Il n'y a pas de publicité et tout. Enfin, bref. Je essaie de finir au lieu de discuter. Parce que moi, j'aime bien bavarder quand c'est dur. Pour faire... passer un peu le suspense. Parce que là, franchement, là, c'est... Là, c'est très, très dur. Là, non, mais là, j'ai pas de niveau. Hein. Moi, je vous dis la vérité, j'ai pas de niveau. Ce tacos-là, il est très dur. J'arriverai pas à le finir. J'ai pas de niveau. Non, j'ai pas de niveau. Regardez, je vais vous montrer, hein, j'ai pas de niveau. Non, je n'ai pas de niveau, je l'admets. Moi, je le dis, Nana, ils ne le disent pas. Moi, je dis, j'ai pas de niveau. Ah ouais, même le manger comme ça, c'est dur pour moi, regardez. C'est dur, non, j'ai pas de niveau. Ça, c'est... Là, je suis passé dans un gros niveau, là, où moi-même, je peux pas. Vous avez bien vu que, regardez, c'est le GK Tacos, là. C'est vraiment le gros que vous attendez depuis longtemps. Mais voilà, regardez, là. Je transpire, là. Ah ouais. Je vais essayer de manger comme ça, vu que c'est lourd, même, quand même. Non, c'est trop dur. En fait, c'est bon, hein. Le taco, c'est bon, mais là, j'ai pris vraiment un niveau... Alors, regardez, je le soulève comme ça, mais franchement, c'est lourd, hein. Imaginez pas, je crois que c'est 1 kg, là. Là, c'est lourd, hein. Regardez tout ça, là. Demandez-vous, qui m'a envoyé manger tout ça, moi? N'importe quoi. Ça, ça se mange en famille, à deux ou trois. Mais pas tout seul. David, tu fais quoi, là, avec ça? N'importe quoi, il fait quoi? Avec un tacos comme ça? Non, mais arrête.
faut que j'arrête les délires. Je peux pas finir ça, c'est impossible, je peux pas. Qui arrive à finir ça? Non, moi j'arrive pas. Bon, j'essaye quand même, je vais faire le rageux, j'essaye un peu, mais... Non, c'est bon, mais... Ça dépasse ma bouche. Ça me dépasse. C'est trop dur. J'essaie de lutter devant vous, les amis. Si je fais ça, c'est pour ma chaîne. Hein. C'est pas pour... c'est pour ma chaîne. J'aime bien ma chaîne. Il faudrait que, à un moment donné, que je vous montre la puissance du tacos. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est... Non. La vidéo va arrêter, puisque là, d'ailleurs, là, je suis dépassé, là. Là, il faut bien que je mange, parce que peut-être que demain, quand je vais le choper, ça ne sera pas le même goût. Ça a mis déjà un jour dans le frigo, donc ça ne sera pas le même goût. Alors, il faut que je mette tout ce que je peux. Tout, là, je donne tout, là, je suis déjà KO. Regardez, j'ai même pas commencé, en fait. Hein. C'est que ça, je suis déjà KO. Regardez. Non, mais c'est dur, hein. Non, mais si j'allais faire la vidéo avec une personne, je ne pense pas que j'aurais pris celui-là. J'aurais pris un petit tacos. Si on était à deux ou quoi. Ou peut-être même j'aurais pris celui-là, on aurait mangé à deux. Parce que là... Non, c'est dur. Ça me fatigue, je crois que je vais faire un malaise tellement je lutte. Faut que je me calme. Là, il faut que je me calme. Là, il est en train de me battre. Le combat contre le tacos, là, j'ai perdu. Aujourd'hui, je vous annonce que j'ai perdu le combat contre le tacos. C'est ça qui est venu me dépasser là chez moi. Aujourd'hui, il m'a envoyé à aller dire je vais chercher, je vais faire le malin. Je vais prendre le tacos, je vais prendre le plus gros. En plus, je dis bien la dame. Je prends. C'est lequel le plus gros? Elle m'a dit c'est le giga tacos. Elle m'a dit comme ça, c'est là qui fait un plateau. Elle m'a montré comme ça. J'ai voulu faire le malin. Maintenant, j'assume. Elle m'a bien dit, la dame. C'est le plus gros. Oui, j'ai pris. Qui m'a envoyé aussi aller là-bas? N'importe quoi, moi. Je vais là-bas, je lutte. Voilà. Maintenant, je suis là en train de me battre. Bon, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo tacos. Parce que franchement, je parle trop. C'est vrai. Oui, je parle trop. Mais il vaut mieux que je me parle entre moi-même. Là, il y a qui va me parler? Il n'y a personne, hein. Je suis seul, là. Je lutte tout seul avec mon tacos. Regardez, tellement je lutte. Tellement je suis en train de me battre avec mon tacos, regardez. Mais franchement, hein, je peux faire de la musculation avec, regardez. Ouf, je fais de la musculation tellement c'est lourd. C'est lourd. Là, je le porte comme ça, mais c'est lourd. Dire que tout ça dans le ventre, je pense que je prends un kilo facilement. Non, mais là, je suis dépassé. Là, ça commence à être dur. Les amis, je suis KO. On se retrouve pour la prochaine vidéo parce que moi, j'ai pas de niveau. Je l'ai dépassé, les amis. Je suis dépassé. J'ai pas de niveau des tacos comme ça, aussi gros comme ça. Je veux pas en manger tout le temps des tacos comme ça. Qui m'a envoyé? N'hésitez pas de mettre un commentaire s'il y en a qui veut faire des vidéos de dégustation de tacos avec moi. N'hésitez pas, ceux qui sont sur Lyon et qui veulent faire une vidéo de dégustation avec moi, n'hésitez pas à le mettre sur commentaire et on fera une prochaine vidéo de tacos. Sur cette vidéo, j'aimerais avoir les 50 pouces et pouces bleus, les amis. Je veux 50 pouces sur cette vidéo, voire plus, voire 100 même, 100 pouces, 140. Déjà, les 50 pouces sur cette vidéo, avant le mois de Noël, évidemment.
Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Moi, je suis en train de caler là. Pourtant, j'ai rien mangé, hein. Mais je vais me battre encore un peu. Je vais m'arrêter là, là. Puisque là, vous avez bien vu que j'ai pas de niveau. Regardez, j'ai pas de niveau. Regardez tout ça. Ça fait toute ma tête déjà. Non. Regardez, j'ai même pas fini. J'ai à peine commencé. Regardez, ça fait toute ma tête. Je l'ai même pas terminé. Je suis même pas encore ici, là. Juste là. Non. Je suis dépassé. Bon, je vais boire mes boissons tranquillement. Demain, je vais essayer de finir mon tacos tranquillement. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Moi, j'ai été dépassé. J'ai voulu faire mon malin. J'assume, oui, j'assume. J'ai voulu faire mon malin. Je l'assume, de toute façon. Je sais que je ne le terminerai pas. On se retrouve pour la prochaine vidéo de tacos.